Donc, quand de génération en génération, quand Dieu choisit un groupe de personnes,
et choisir dans ses têtes. Alléluia, que je tiens devant Dieu. Alléluia. Donc, dans notre mission, c'est comme ça. Le spirituel se passe. Parce que quand le spirituel est comme ça, un esprit c'est solide. Ça ne peut pas se casser. Il y a un pasteur qui me rendait des témoignages comme ça. Quand lui commence l'œuvre, il est vraiment quelqu'un qui travaille. Mais à un certain moment, les choses se cassent. Pourquoi? Parce que son spirituel n'est pas solide. Il n'y a pas de tête. Alléluia. Amen. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dans cette mission, pourquoi les choses marchent? Parce qu'on a une tête, on a une grandeur spirituelle. Gloire à Dieu. Vous aurez un jour des enseignements. Pourquoi dans un groupe de personnes, si plus Dieu te loue, Dieu faut une tête. Donc tu vas prendre ta Bible. Dans le livre de Luc 1, verset 31 à 33. Et tu prends Colossiens 1, verset 15 à 20. Alléluia. Tu vas répéter après moi, tu vas dire la déité de Jésus et son pouvoir. La déité. Jésus. La déité. La déité. La déité de Jésus. Et son pouvoir. La vérité de Jésus est son pouvoir. Gloire à Dieu. Quand on adore, quand tu adores un esprit là, il faut le connaître. Oui. Luc 1, verset 31 à 33. Et Colossiens 1, verset 15. Colossiens. Ce qui démontre que Jésus est Dieu. Ce qui démontre que Jésus a le pouvoir. Ce qui démontre que Jésus est puissant. Ce qui démontre que Jésus est esprit. Quand on attend l'esprit, on doit le connaître. Quand tu ne le connais pas, il ne peut pas travailler pour toi. C'est comme nos parents qui adorent les églises là. Ils connaissent comment est l'esprit avant de l'adorer. Et quand il adore, ça marche. Mais c'est dans le mauvais spirituel. Ça, c'est pas bon. En Dieu aussi, quand tu pries Dieu, quand tu adores Dieu, il faut le connaître. Gloire à Dieu. Donc, on va lire d'abord Luc 1, verset 31 à 32. Bientôt tu seras saint. Bientôt tu seras saint. Puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Alléluia. Il sera grand et on l'appellera le fils du Dieu très haut. Alléluia. Le Seigneur Dieu sera de lui un roi, comme le fils du Fils son ancêtre. Et il règnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura point de fin. Alléluia. C'est puissant. Il dit, tu seras en fait. L'ange va apparaître. Il va dire à Marie, tu seras en fait. Tu entendras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus, qui veut dire l'Emmanuel. Le Dieu avec nous. Jésus qui veut dire le Sauveur. Et il régnera sur la maison de David éternellement.
Son règne n'aura point de fin. C'est ça. Son règne là, ça n'aura point de fin. De génération en génération, Jésus règne et règnera. Alléluia. Amen. Jésus est au centre de toutes choses. Ce Jésus-là, la Bible déclare qu'il est au commencement. Ce Jésus-là, la Bible dit qu'il est encore à la fin. Père à Dieu. On va prendre maintenant Colossiens 1, verset 15. Ah. Alléluia. Alléluia. La Bible dit là, dans le livre de Colossiens, qu'il est l'image du Dieu invisible. Les gens aujourd'hui, quand on adore Jésus, les gens disent que non, nous on adore un homme qui a vécu sur terre. Un prophète qui était venu et il est reparti. Mais la Bible déclare, dans le spirituel, depuis le temps d'Abraham et de Moïse, que Dieu devait sauver l'humanité. Marie était vierge, elle ne connaissait point d'homme. Mais le Dieu créateur lui-même va descendre par son esprit et va dire à Marie, tu seras enceinte. Et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Lorsqu'on va dans ce monde, pour avoir un enfant, il faut un homme et une femme. Mais la naissance de Jésus a été exceptionnelle. Comme on dit aujourd'hui, il y a des bébés qui sont hors série. C'est puissant. Amen. Jésus n'est pas comme nous. La Bible dit dans le livre de Colossiens qu'il est l'image du Dieu invisible. Parce que pour faire ce sacrifice, il fallait un sang innocent, un sang propre, un sang sans défaut. L'homme étant dans le péché ne pouvait pas lui-même faire ce sacrifice. L'homme était encore dans les problèmes, dans les difficultés, ne pouvait rien. L'homme encore est supérieur aux animaux. On ne pouvait pas prendre le sang des animaux pour pardonner les péchés de l'humanité. Voilà pourquoi Dieu lui-même est descendu. Il a pris un corps, mais un autre sang. Ce sang-là, c'est le sang de Dieu. Amen. Ce n'est pas le sang de l'humain. Ce n'est pas le sang du bétail. Mais c'est un sang sans défaut, sans tâche. Ou un sacrifice propre et puissant en esprit. Il est l'image du Dieu invisible. On continue. Le premier-né de toute la création. Alléluia! Il dit là encore le premier-né de toute la création. Amen. La Bible dit qu'il est fait. Il est et il sera. Il est au centre de toutes choses. Amen. Il est le premier-né. Et il a créé toutes choses. On continue. Car en lui ont été créées toutes choses, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Les, ah, oui. Les visibles et les invisibles. Amen. Trône, dignité, domination, autorité. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit en lui ont été créées toutes choses. Les choses invisibles et les choses visibles aussi. Amen. Tout ce que nous voyons sur terre, c'est Dieu qui les a créés. C'est Jésus qui les a créés. Et aujourd'hui, on voit les arbres. Aujourd'hui, on voit les océans.
On bat les mers. Aujourd'hui, on bat les montagnes. C'est Jésus qui les a créées. Mais il y a des choses que nous, on n'est pas capable de voir avec nos yeux physiques. Ces choses-là existent en esprit. C'est Jésus qui les a créées. Parce que la Bible dit que Jésus est dans le Père et le Père est en lui. Donc ce Jésus-là, il est un Dieu puissant, un Dieu glorieux, il faut le connaître. Parce que quand tu penses comme ça, Dieu fait des ouvertures à ton niveau. Quand tu penses que Jésus est tout puissant, quand tu penses que c'est Jésus qui a tout créé, quand tu penses que c'est Jésus qui est le Dieu résultable, que rien ne fait avec contre sa volonté, quand il dit il le fait, la Bible déclare que par sa parole, il a créé toutes choses. Amen. Il a dit que la terre soit et la terre fut. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si on peut continuer à quoi? Qui a été créé par lui et lui. Mm-hmm. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alléluia. Il est la tête du corps de l'Église. Mais, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia! La Bible dit que Jésus est le premier en tout. Il est au commencement. Il est à la fin. Il est la tête de l'Église. Il est la tête de l'Église. Dieu l'a placé en tête pour que nous, on soit sauvés. Gloire à Dieu. Maintenant, il a encore le premier-né dans les morts. Il est le premier-né dans les morts. La Bible dit, quand Jésus est venu, il a été crucifié. Et après qu'il était dans le tombeau, le troisième jour, Jésus est ressuscité. Gloire à Dieu. Donc, de la mort, les gens mouraient, mais ils ne pouvaient pas ressusciter. Mais quand Jésus, lui, il est mort, la Bible déclare qu'il est sorti victorieux, il est sorti vivant. Amen. Du tombeau. Il est le premier-né dans les morts. À la suite de cela, la Bible déclare que les tombeaux, les tombes s'ouvrirent et les morts ressuscitaient. Amen. Il est le premier partout. Le numéro un partout. Amen. Ce Jésus, il n'est pas un petit Dieu. Amen. Et puissant en esprit. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Alléluia. Toute plénitude. Amen. Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Dieu lui a donné tout pouvoir. Dieu lui a donné la puissance. Tout cela est en lui. Et ça habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Gloire à Dieu. Que l'Éternel soit béni. Donc Jésus, étant dans sa grande puissance, dans sa deité, est descendu sur la tête des hommes. Donc tu vas connaître Jésus. Tu vas connaître qui est Jésus avant de l'adorer, avant de le servir. Parce que si tu prends Jésus comme un saint prophète, qui était venu sur la terre, il ne pourra rien faire pour toi.
Si tu prends Jésus comme le fils de Marie, comme tout fils, tu sais, il ne pourra pas faire quelque chose pour toi. Après, tu vas te poser des questions, tu vas dire, mais on dit, il est Dieu là. Mais il est passé par une femme. Et sa mère, c'est Marie. C'est comme aujourd'hui, Dieu a fait un miracle là. Alléluia. Dieu a fait un miracle. C'est comme, parfait, quand tu prends, tu as un fils. Et tu viens, tu dis, ah, vraiment, c'est bien, vraiment, moi, je te confie mon fils. Prends soin de lui, je reviens. Ça va, Dieu. Tu m'as confié ton enfant. Mais ce n'est pas mon fils. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc vraiment, c'est un truc comme ça qui s'est passé en esprit. Donc que Dieu soit loué. Donc, on doit prendre Jésus comme le Dieu trois fois saint. Amen. Comme le Dieu qui a tout pouvoir. Comme le Dieu qui a la puissance. Comme le Dieu qui délivre. Comme le Dieu qui a tout créé. Quand tu prends Jésus comme ça, il pourra faire quelque chose pour toi. Il pourra faire un miracle pour toi. Et la Bible déclare que c'est lui qui a réconcilié tout. Sur la terre comme dans le ciel. Amen. Et sur la terre, l'homme était privé de la gloire de Dieu. Comme le chant dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Le salut est déjà là. Il suffit seulement de croire. Et lorsque tu as le salut, quand tu as la grâce du salut, tout est ouvert devant toi. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et toujours vous serons donnés par-dessus tout. Amen. Donc que Dieu soit loué. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. On acclame puissamment le Seigneur. Ce soir, tu viens d'entendre, de comprendre qui est Jésus. Alléluia. Tu vas prier puissamment le Seigneur et tu vas glorifier son Saint-Nom. Afin que ce Jésus-là, qui est grand, qui a tout pouvoir, travaille dans ta vie. Alléluia. On prie le Seigneur. Dernier, nous ne sommes toi, personne ne compare avec toi.
ministres de la mer du Seigneur, aujourd'hui nous recevons en esprit. C'est ton esprit, c'est ton esprit, c'est ton esprit, c'est ton esprit,
Thank you.
I'm not going to do that.